J'ai de ces soifs. J'ai trouvé le repas bien salé. Pas toi? Ah, ça facture que j'ai trouvé salé. Ah, il gêne pas, hein? En plus, on n'avait rien dans nos assiettes. Tu sors de table, t'es encore plus fin que quand tu t'étais... Excuse-moi de dire ça, mais tu me sers pas beaucoup. Je veux pas que tu te sentes boudiner. Puis ensuite, t'as dansé le slow avec ben d'autres femmes. J'ai pas l'habitude de danser le slow avec des gars. Oh, arrête de faire ce blague. Que tu lui dises que si t'étais un poisson, là, je serais ta rivière. Que si t'étais une abeille, je serais ton miel. Que si t'étais un vampire, je serais tes dents. Attends. Rose est la femme de ma vie. Et si j'étais un poisson, elle serait... mon vampire. Qu'est-ce que tu dis? Ben, coudonc, bonne chance. Maudit gros épais. C'est toi qui vas se retrouver dans la rue. Le petit bois de carton. Affecter une bouteille de pégoche. Ben, c'est ça. Que le meilleur gagne, comme on dit. Déchire ma robe. De quoi? Déchire ma robe. Ça fait 2 jours que j'y pense. Oh, voyons, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Oh, j'en peux plus. Arrête! Va te pencher la tête sous l'eau froide pour un calmant, faire quelque chose. Oh, fuck. Oh. Ma sonne. Je vais revenir. T'es vraiment un écœur, hein? On a noté des incohérences dans votre dossier, des défaillances déclaratives importantes, et puis pointé des montages financiers, disons, discutables. Non, je vais sûrement vous tromper de personne. Pas vrai, c'est pas vrai. Okay, calmez-vous, Francis, là. Tout ça, on n'est pas en question de notre rencontre avec Rose tantôt, là. Dédramatisons un petit peu, hein? Surtout, Julien. Ah, Rose! Merci pour tout. Ça fait plaisir, chérie. Mmh, mmh. Bye. Allez, bonsoir. Bye! Oui, n'oubliez pas votre enfant. Ah! Et que j'ai eu 2 billets. Calvaire!